Et si je te disais que c'était la fin du tout numérique? Et si je te disais que l'Eldorado des formations en ligne et des ventes en tout automatique était terminé? En voyant tout le monde s'orienter vers ce genre de modèle, tu dois me prendre pour un fou. Rassure-toi, j'ai quelques arguments et quelques explications à te donner. En attendant, comme d'habitude, tu cliques pas sur le bouton pour t'abonner, tu cliques pas sur la cloche pour recevoir les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo intéressante. Voilà, tu fais rien et on passe au générique. Si l'on prend du recul 2 minutes, tu t'aperçois que l'ère du numérique reste assez jeune et que même aujourd'hui, certains n'ont pas du tout fait la transition. Ok, pour certains métiers, c'est moins évident. Mais depuis les années 2000 environ, certains ont suffléré la bonne opportunité et se sont engouffrés dans la brèche, avec des modèles toujours plus intelligents, avec des outils qui te rendent l'accès toujours plus facile à ce nouveau monde, à cette nouvelle Eldorado. Le souci du coup, si on peut appeler ça comme ça, c'est que la barrière à l'entrée est devenue faible et que n'importe qui peut se lancer. D'un côté c'est bien, mais d'un autre ça rend le jeu plus compliqué pour les nouveaux qui entrent dans le système. Parce qu'il faut savoir se différencier et devenir unique d'une certaine manière. Il faut savoir se battre pour se faire une place et attirer les clients. Et la majorité du temps, que font les gens ? Ils utilisent les mêmes méthodes que tout le monde. Ils recopient les techniques qu'ils voient partout. Et ils s'étonnent d'avoir de faibles résultats. La vérité, c'est que pour te démarquer, ce n'est pas en te focalisant sur les techniques marketing du numérique que tu vas y arriver. Le tout numérique est en déclin. Je m'explique. Jusqu'à il y a quelques années, le marché n'était pas encore assez mûr. Les clients tombaient facilement dans les pièges marketing et la concurrence était extrêmement faible. Sauf qu'aujourd'hui, tout a changé. Un mot revient d'ailleurs très souvent, c'est l'humain. Parce que oui, derrière chaque achat en ligne se cache une vraie personne. On a tendance à l'oublier et pourtant c'est toujours le cas. Pas de robot, mais un être humain avec sa vie, son quotidien, ses besoins, ses peurs, ses frustrations, ses hésitations. Les gens qui t'achètent s'en moquent de tes grands rêves de liberté. Tout ce qu'ils veulent, c'est accomplir les leurs. Il ne te suffit plus de balancer une formation en ligne comme ça avec une séquence automatique pour faire grimper ton CA en flèche. Tu dois absolument bosser sur les fondamentaux. Tu dois comprendre et décoder le monde qui t'entoure. Tu dois injecter toi aussi de l'humain dans ton monde numérique. Alors, comment s'y prendre pour vivre confortablement grâce au numérique, tout en gardant un aspect humain dans tes ventes, même si elles sont automatiques? La première étape est assez simple. Même si on ne s'y attarde pas assez, chercher à apporter de la valeur a un besoin douloureux sur le marché. Je suis sérieux quand je te dis ça, la seule et unique préoccupation pour créer cette impulsion dans ton business et enfin le faire décoller, c'est ça. Commence par creuser aussi profondément que possible sur la douleur précise que tu veux résoudre pour les autres. Un exemple très précis pour que tu comprennes bien. Chez les artisans, il y a un besoin très fort de pouvoir gérer les prospects, les clients, les chantiers et la majorité du temps, rien n'est géré et c'est l'anarchie. Les artisans perdent un fric monstre juste à cause d'une mauvaise gestion. Si toi tu trouves une solution à ce problème précis, tu peux potentiellement construire une entreprise qui tourne très bien. Deuxième chose, quand tu as mis le doigt sur un problème douloureux, ton nouveau travail est de créer une solution et de communiquer dessus, c'est tout. Tu dois partir au front et trouver tes premiers bêta-testeurs, ceux qui vont pouvoir profiter de ton nouveau produit ou service. Et c'est grâce à cette démarche et au retour de tes premiers clients que tu vas te créer un début de notoriété dans le domaine visé. Et troisième chose, une fois que tu as fait ça, et une fois seulement que tu l'as fait, là, à cet instant précis, tu peux te créer un premier système grâce à la puissance du numérique. Là, tu peux commencer à te poser sur les moyens à mettre en œuvre. Des sites internet, créer des formations en ligne, des tunnels automatiques, de la pub, du présentiel, mettre en place une stratégie X, Y, peu importe, tant que ça correspond à ce que tu as mis en place aux étapes précédentes. Conseil au passage quand même, commence toujours avec un système simple à mettre en place et simple à observer. Ça te donne beaucoup plus de flexibilité pour le faire évoluer après. Tu remarques donc que l'on rentre dans une ère de professionnalisation du monde numérique. Fini l'Eldorado de l'argent facile, il faut agir en véritable entrepreneur.
Le web est un endroit formidable, mais il doit être géré de manière sérieuse, tel un chef d'entreprise qui cherche à se développer. Et l'un des plus gros blocages que tu peux rencontrer, c'est celui de cibler les bons clients, ceux qui sont heureux de faire appel à tes produits et services, ceux qui ont conscience de leurs problèmes. Si ça t'intéresse de découvrir les mystères de l'être humain et de tout faire pour savoir comment le décoder afin de trouver tes clients idéaux, je t'ai préparé un atelier, une masterclass, tu l'appelles comme tu veux, qui devrait vraiment te plaire. Tu n'as qu'à suivre le lien qui se retrouve là-bas dans la description et te faire plaisir. Je te dis à tout de suite. Et où la sienne? Hop. Oh là là là.